today, where are Toronto, me and my brother? Bienvenue à Toronto, les gars. In English, please, because Toronto is English. On a Toronto, donc il faut parler en anglais ici. Yeah. Yes, so yeah, guys, we're in Toronto now. What we want, fam? Ok, reparle en français. Bon, okay, on est okay. À Toronto aujourd'hui. Oui. Pendant 4 jours. Yes! On va vlogger. On va faire les fous. Là, c'est ton lit. Moi, je suis quand même dessus. Yes, sir. Wow. Ça, c'est juste pour les bureaux. Pour... Viens, mets ta chambre. Oh, je peux mettre mon ordinateur là. Viens, t'asseoir devant moi. Ok. Aujourd'hui, c'est quoi les deals? C'est quoi les deals? On fait quoi? On va manger quoi aujourd'hui? On a faim là. On a fait une longue route là. On va manger quoi, mon frère? Manger du Popeyes pour la première fois. Popeyes. Popeyes est en France? Oui. Ouais, il est à Paris. Mais il n'est pas à Montréal. Pourquoi il ne vient pas à Montréal? Venez, Popeye. Sinon, Popeye. Venez encore. Venez, venez. On va faire un room tour. Un petit room tour. Deux lits. Balèze. Pour moi, pour bijoux. Venez. Oh, un bureau. Watch out. Il y a quoi? Il y a un bureau. Quand t'as dit watch out? Il dit watch out. Attends, mon bijou. Première télé. Tu vas pas prendre celui-là à la place? Pourquoi? Parce que toi, t'auras peur d'être devant la fenêtre, non? Parce qu'il va faire nuit. Non, au contraire. Oh, t'auras peur d'être ici? Prends la. Ben, ok. Arrête de montrer. Ok, on va y arriver. Première télé. Télé de chambre. Essaye de l'allumer. Pour la climatisation. Job. Essaye d'allumer la télé. Oh, télé. T'as présenté la télé, mais tu l'as pas allumée. Wouh. Job. Elle fonctionne. Parce que les gars, ben, Toronto, je suis déjà venu ici, ok. Il y a à peu près 3 ans de cela. Éteins la télé. Éteins la chef. Il y a à peu près 3 ans de cela, je suis venu à Toronto tout seul. Et puis c'était assez. C'était cool. Et j'avais même pas encore commencé ma chaîne. J'étais pas encore sur YouTube. Et puis l'hôtel dans lequel j'étais là, quand j'étais venu à Toronto, la télé ne fonctionnait même pas. Donc là, j'étais juste là, dans la chambre d'hôtel, comme ça. Sur ton téléphone. Ouais, sur mon téléphone, à sortir et tout. Aussi, quand j'étais allé en République Dominicaine, la télé ne fonctionnait pas vraiment. Tu vois. Donc tous les hôtels où je suis allé, la télé ne fonctionne même pas. Mais là, ça fonctionne là, vous. Ça fonctionne là. Ok, bisous ensuite. Ici, c'est quoi? Deux divans. Même. Pour les invités. On en répète 4 dans la chambre. C'est ça? Bon, 2 par lit, bro. 2 par lit. Plus. On fait 4 dans la chambre. C'est ça. Deuxième télé. Oh! Oh, deuxième télé. Encore? Chaud! Est-ce qu'elle marche? Ça vaut tellement la peine, bro? Elle marche. Elle fonctionne? Ouais. Change de chaîne. Si on voit encore Godzilla là. Oh, attends, il y a une musique. Là, il y a quoi? Je pense qu'elle nous pique. Fonctionne. C'est bon, ça fonctionne. Allume la lumière. Attends, continue. Ouais, allume la lumière. Perfect. Perfect. Look. Première rangée. Here. Ok, on peut mettre nos affaires ici. Perfect. Oh, s'il y a un souci, whatever. Ensuite. Micro-ondes. J'ai jamais eu de micro-ondes dans un hôtel. Ouais, moi non plus. Quoi? Bon micro-ondes. Un micro-ondes dans un hôtel, frère. On dirait une chambre. Oh. Regarde là-bas. On peut payer un mini-bar. Oh. Là, c'est une chambre, ça. Il y a même du coffee, il y a tout. Oh, oh, il y a un frigo. Il y a un frigo aussi. Ouais. T'as pas mis de l'eau, hein? Non. Oh, on n'a pas d'eau, les gars. Il y a un frigo ici. Dès qu'on va sortir, on va mettre des affaires dans le frigo. Après. Après ça, quoi? S'il est sale. Chier. Non, je vais m'élever. Ok, il est propre. Oh my god. Oh, c'est clean. Comme ça. Oh, oh. C'est comme un propre. Il n'y a pas de bois. Comme un propre. Clean. Savon. Mouchoir. Serviette. Ouais, les gars, à chaque fois que. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui le faites aussi, mais quand je vais dans un hôtel, les gars, je repars avec les serviettes. Comme ça. Il y a même un coffre fort, bro. Ouais. GG's. Ouais, elle est belle. Oh non! Oh oui, merci, hôtel. Est-ce qu'il y a du caca? Non, il n'y a pas de caca. Ouais, c'est propre, c'est clean. Ouvre-le, on va voir. Pourquoi ça a l'air? Oui. Oh, ok, je pense qu'on peut ouvrir le. Non, c'est juste qu'il faut le pousser. Tu peux le haut, sous? Stop! C'est bon. Stop. Dans la douche, il y a un tableau, bro.
Ouais. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. On va bientôt sortir, les gars. On va aller manger du Popeye, du Chipotle. Merci. Du... Non, mais ça, c'est trop nice. Ouais, c'est bien, c'est propre, c'est propre. Tout en plus, nice. Les gars, faut savoir qu'on a, on a galéré hein, pour pouvoir trouver l'hôtel. Parce qu'on est venu à Toronto. Oh, j'ai même pas loué l'hôtel. On est venu à Toronto, les gars. Tu vois comment c'est? J'ai vu. Toi, regarde. Toi, vois. Y'a quoi? Tu te vois pas? Ouais. Je suis beau? Non, mais genre. Ah ouais, c'est là, tu te vois en x10. Quelle est la dit l'histoire? Donc, on est venu à Toronto. J'ai pas loué d'hôtel. On avance. On vient, on va dans l'hôtel où j'étais allé quand j'étais venu à Toronto la dernière fois là. Et puis, ils nous disent 350 balles la nuit. J'ai dit non, frère. Parce que quand j'étais venu, moi, j'avais payé 250 balles la nuit. Pas 350 balles. Inflation, c'est vrai, parce que je suis venu il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, là, c'est vrai. Tous les prix ont augmenté, donc là, ça m'étonnerait qu'ils ont toujours une chambre qui coûte 200 balles, comme la dernière fois, 250 balles, comme quand j'étais venu. Donc là, on a dit non, on a laissé faire. On allait dans un autre hôtel. Non, oui, d'accord. Regarde-la bien, hein. Ouais. On allait dans un autre hôtel, et puis en ligne, cet hôtel-là, on a vu que les prix commençaient à 200 balles. On va là-bas, le book dit 400 balles minimum. Après, j'étais comme, oh, hell nah. Donc là, je vais prendre un Airbnb, ça n'a pas fonctionné. La Bijou a trouvé cet hôtel-là. C'est grâce à Bijou qu'on a trouvé cet hôtel-là. Hein? On a trouvé cet hôtel-là. On est venu. À peu près, je ne vais pas dire le prix exact, mais c'était un bon prix. C'était un prix abordable. Pour le prix que j'ai payé, la dernière fois que je suis venu à Toronto. Là, même miroir. Même ici. Ouais. Pour le prix que j'avais payé quand j'étais venu la dernière fois à Toronto, là, pour une chambre assez petite, parce que dès que je rentrais dans la chambre, comme dès que je rentrais dans l'hôtel, il y avait mon lit. C'est tout. Mon lit et la douche, c'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Ici, c'est complètement une chambre. Là. C'est comme une maison, là. Pour un bon prix en plus. J'ai fait des bonnes recherches là. J'ai fait des bonnes recherches. Ça a été locked in. Au moins, il était pas là à dire. Je suis venu, on fait comment? J'ai envie d'aller dans un hôtel. J'ai envie de poser mes affaires. Il a fait des recherches. On a trouvé ici. Allez, fais du logobi. Logobi. Bon. Le room tour est fini. Le room tour est fini. Là, maintenant, on va faire un. On va aller manger. Parce qu'on a faim. Ouais. Donc, les gars, si vous êtes encore là. Mais c'est sûr que vous êtes là, là, si t'es pas là, bon, je sais pas qu'est-ce que tu fais, bon. Like la vidéo. Abonne-toi, c'est pas comme j'ai fait. S'il vous plaît, si t'es pas abonné. Partage la chaîne à ton frère, ta soeur, ta mère, ta tante, ton oncle, ton cousin, ta cousine. C'est un upside. Et tes amis. Regarde, yes. Regarde, le monde à l'envers. Ouais. Yo, pause. Non, yo, ça fait trop peu. Quoi? Reste sur moi quand même. Hein? Là, tu vois ta tête? Je vois juste mon bas. Là, je vois ma... Là, je vois pas ma... Ah, là, je vois ma tête, ouais. Ok, la souris. La souris? Ouais. Souris? Ouais. Ah, comment ça? Ouais, ça, c'est juste inversé. Ça fait un peu mal à la tête. Je vais pas te mentir, même. Donc, les gars... Comment les lumières? On laisse tout allumé ou on ferme? Comme tu veux. On peut même... Yo, non, ça, c'est crazy. Ouais. On peut ajuster la lumière. Ouh, d'où? D'où est éteint, c'est ça? Non, yo, bah, est trop nice. Trop nice, trop nice. Donc, avant qu'on sorte, les gars, moi, je vais poster une vidéo, là. Mais on va manger où? Faut déterminer où on va manger aussi. Popeyes. Donc, on va manger Popeyes pour la première fois. Moi, c'est pas la première fois, mais la première fois que j'avais mangé, c'était genre... C'était juste des lanières de poulet. T'as rien mangé de ouf, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Là, okay. Faut manger comme Popeyes, les sandwichs. Popeyes sandwich. Ouais. Ok. On va manger ça pour la première fois. À la chambre clean, hein. À Toronto. Les gars, je vais pas vous dire on a pris pour combien de jours la chambre. Mais, pourquoi c'est chaud mon ordi? What the fuck? Dans la voiture. Pourquoi il est chaud comme ça? Tu dis dans la voiture. Ok, bref. Mais, j'ai bien envie qu'on élargisse notre séjour. Ou on fait de un jour. Quoi? Et là, on élargit de un jour. C'est ça, j'ai bien envie de l'élargir. Si on élargit de un jour. Ça va être le prix d'un hôtel. D'un autre hôtel qu'on aurait pris. Il y avait un hôtel là. Attends, il y avait un hôtel qui était à... La meuf, elle a dit quoi au téléphone? Elle a dit 630 balles, bro. Elle est folle, elle. 650 balles pour une nuit, bro. Donc là, ouais. C'est ça, si on... j'ai bien envie de le prendre pour un autre jour, bro. Pour de vrai. Si tu fumes. On verra ça ce soir. Quoi? Non, ils sont fins. Qu'est-ce qu'il y a? C'est interdit de fumer, hein? Ouais. Smoke free and vape free. Our hotel is 100% non. Fumer! T'as 600 dollars de frais si tu fumes. Ici. Non! Mon phone est mort. Mon phone est fucking mort. Non, 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 non. Non, bro! Mais si toi t'as le film. Ceux qui ont des iPhones là, vous voyez quand on. On commence à laguer. Et là, quand tu appuies un bouton, il commence à laguer à cette heure. C'est ça qui vient de se passer là. C'est quoi le wifi? Donne. Si, si. Mais attends.
Merci. Passe ton ordi. Juste fais-le. Donc, les gars, on va bien s'amuser à Toronto. Bon, bref. Oh, j'ai mal au dos. Ouais, je postais ma vidéo. J'ai pris un book pour faire les miniatures. J'ajoute les miniatures et je poste la vidéo. Et c'est parti. Elle sera postée et ensuite de ça, on va s'en faire. Qu'est-ce qu'il fait? Mais ton mal marche pas. Ça bug. Mais où t'as vu le wifi? Ok, connecte à ton phone, on va voir. Attends, et quand on dort, on ferme ici? On peut laisser ça comme ça. Hello, sir. Ah, oh, j'ai envie de prendre pour une nuit de plus, vous. Ça va rester plus longtemps. Ah, ben, yeah. Yo, qu'est-ce qui se passe, vous? Ouch! Yeah, c'est ça. Mais toi, tu peux la faire moi. Oh, c'est ça! Ok, c'est bon. Tu fais la connexion après. Comment ça? Vas-y, on le fait. Hey. Déjà vu. Assez de plaisanterie. Vas-y. Comment ça met ton truc? Parce qu'on doit bientôt partir. Moi j'ai faim. Tu as faim, mon frère? Why not chill? Please. Yes. Je peux poster ma vidéo maintenant. Je peux poster ma vidéo maintenant. On se retrouve quand on sort parce que là. Je peux poster ma vidéo maintenant. Donc les gars, on est sortis. Là, on va au propre pays, les gars. Là, on y va pour manger des burgers. Pour bien s'engouffrer parce qu'on n'a rien mangé depuis à peu près 7 heures de temps. On a pris du temps pour venir ici. Et sur la route, on a mangé. Non, avant de venir, on a juste mangé du Tim Hortons. On a mangé un petit déjeuner là, Tim Hortons. On passe à rien. On rentre ici avant d'arriver au propre pays là. On se promène là, tu vois. On va regarder les bails. Oh, tout à minuit, beau. Ouais. On trouve des boissons exotiques. Ouais. Là, j'ai juste faim. Là. Est-ce que tu penses que le papier là va te suffire? Deux sandwichs. Oh, ça pue le pipi, beau. Putain de merde. Ça sent le pipi. Deux sandwichs? Toi, t'es à l'aise là? T'es un peu à l'aise. Et on est là. Putain de merde. Tu veux que je te raconte un bail? Non, après avoir mangé, je vais te le raconter. Première fois que je viens ici. Toi, tu apprends quoi? C'est qu'en tout cas, on va bien en passant. Hein. Je sais pas c'est quoi le menu. Viens, ça je t'ai dit, regarde le menu, viens. S'il y a des gens qui veulent commander, moi je sais pas. On est aussi dans la fille. Moi je sais pas ce que je vais commander, viens, je vais regarder le menu d'abord. Et moi, je sais ce que je vais prendre, mais je sais pas ce que je vais prendre. Ok. Bref. Ok, disons, je vais prendre le. Ça, j'en prends quoi? Un four mac piece. Je sais pas c'est quoi le. Mais comme. Je pense qu'ils vont comprendre. Les lanières de poulet, ça vient avec des frites? Oh, tu peux faire un trio ou non? Mais là, j'aurais déjà fait un trio avec mon sandwich. Ça, mais fais pas de trio. C'est pas forcé. Ok. Can I have a three piece? Three piece tender. You wanna make it up? What is the best? Combo. Spicy, man. Spicy. Need the pea sauce for that? It's not a sandwich. Three piece. It's like a chicken strip that it is. The tenders, that's it. What is it? What's your question? The sandwich. He wants a sandwich. Yeah. It'll be one. The number one and the number two. Oh. So the original comes with just a pickle. Huh? The next comes with just a tomato pickle. Le original ça vient avec des picots et le deuxième ça vient avec de la laitue. Donc je sais pas de quoi tu parlais. Vous. Mais je t'ai dit. Ok, je vais prendre le luxe, mais ça les picots. Ok, so he's gonna take the luxe without the pickles and. Spicy. Yes. Lettuce, tomato without pickles. Do you wanna make it a combo or just a. Yes. Combo? Okay, so me, I'm gonna take the deluxe without pickles. Like him, and spicy too, and I want fries on the side, and I want the juice, and I want tenders. How many pieces? Three or five? For how much is three tenders? 11? It's gonna be around $9. Only for three tenders? It's good? Mac and cheese. Okay. Mac and cheese?
Spicy? Yeah, spicy. And I want the barbecue sauce. Yeah. And the mac and cheese, is it good or not? Ah, c'est la première fois qu'on mange ici aussi, donc il faut profiter, chef. Non, mais il faut profiter. On va revenir. How much is the mac and cheese? It's maybe $3.45 for the regular size. Large is going to be around $7.80. For the regular size? Ah, je te parle en anglais, frère. J'ai compris. Pour le régulier? Pour le régulier, on partage. Ok, yeah, we're going to take the regular size. And just mac and cheese with something inside or just... Okay, yeah. Don't taste it. Damn, $41, that's expensive, bro. So two sandwiches with fries, bread, and three pieces and a regular mac and cheese, that's it? Yes. Yeah. Yeah. Damn, bro. Regardez le total, bro. On vient d'arriver à peine. C'est fou. C'est notre seul repas de la journée. Demain, on prend un déjeuner. Non. C'est vrai, c'est notre seul repas de la journée aussi, donc c'est compréhensible. De manger, là, de bien se bourrer, là. C'est cool qu'on parle français, personne ne nous comprend. Non, mais aux États-Unis, il y avait des gens qui ne comprenaient. Quand tu allais aux États-Unis? Ah, Coca chérie, il faut que je quitte ça. Ce qui est ouf, c'est qu'à Montréal, hein, ils commencent à enlever ces machines-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui abusent. À mon époque, le Gold Peak, ouais. Non, laisse faire, c'est caca. Ça goûte le caca, hein. Il a goûté ça, il a dit c'est bon. Pourquoi il dit ça goûte le caca? Pourquoi c'est de l'eau avec du concentré? Bref, les gars, à mon époque, je ne suis pas si vieux que ça, là, je fais carré que je suis vieux, mais avant, là, on abusait tellement de boissons, donc là, je pense que c'est à cause de ça que, là, quand souvent au McDo, tu veux boire une boisson, ils te le font à l'arrière, ils te l'amènent, donc on ne peut plus refill au McDo. Parce qu'il y a des gens qui veulent prendre la boisson. Vous êtes de quel pays? On vient d'ici, Montréal. On vient de Montréal? Ouais. Ils sont de quel pays? Non, Bénin, Mininor, ils sont Bénin. Yeah. Vous venez d'où? Le pays des talents. Ouais, Patrice Talon. Il s'est fait talonner. Nous sommes du Congo. Talon s'est fait talonner. Hein, par ses talons. Vous faites quoi à Toronto? Non, on ne fait pas ici. Ah, vous vivez ici? Oui, oui. Ok. Yo, on est tombé, c'est des tontons qui parlent français. Yo, dédicace. Yo. Quoi? En plus, avant ça, j'ai dit, c'est tellement cool qu'il n'y a personne qui parle français. Donc, ils nous ont entendus. Bon, bref. Bon, les gars, la bouffe est là. On l'a reçue. Puis, on va manger. On va manger à notre frites. Attends. Quand tu mélanges les frites là, t'as des frites à toi et j'en ai en moins. Qu'est-ce que tu fais? Non, t'as mangé. Moi j'en ai eu moins. Non, t'en as eu moins, t'as mangé beaucoup. Mais c'est bon, t'as mis deux. What the fuck? Ma cheese. On va voir si les frites sont bonnes. Si je vois si les frites ici dans mon top, top 3. Bon. Oh. Le goût assaisonné, bon. Mmh. Les frites sont assaisonnées, bon. Ça, c'est à moi. On nous a tout à l'heure. Il n'y a pas beaucoup de ketchup? Oh, pas toi. Où est le ketchup? Il y en a juste un? Ok, il y en a deux. Ça va pas nous suffire là? Les frites beurre. Mais elles sont bonnes, bro. Top 3. Elles sont bien assaisonnées, bro. What? Moi, je passe au sandwich. Déjà? C'est pas plaisir, chef. De luxe. De luxe sandwich sans pickles spicy. C'est quoi pickles en français même? Cornichons. Sans cornichons. Épicé. Bon? Bon bah. Nice quoi. Regarde comment c'est crunchy. On entend le bruit, vous. On entend le bruit. C'est plus bon que tous les sandwichs du McDo. Tu vois? T'abuses pas là. Tous les sandwichs au poulet, c'est meilleur. Il a dit c'est plus bon que tous les sandwichs au McDo. Au poulet. Parce qu'ils n'ont pas de bœuf. Wow. Assaisonné, épicé.
piquanté. Pimenté, je veux dire. C'est pas vous de ça. Il parle français. Il vient du Québec comme nous. Non, c'est fini mes frites, les gars. En tout cas, les frites, 9 sur 10. Ouais, moi, les frites, 9.3. 9 sur 10, les frites. 9. Les gars, elles sont tellement bien assaisonnées. Il y a un goût croustillant derrière. C'est pas juste des frites faites pour être des frites. Comme... Il y a actuellement, je pense que c'est de l'ail, non? Je sais pas quoi, mais il y a quelque chose dessus là qui donne un. C'est du cajun. Cajun, ouais. Frites au cajun. Ah. Ouais, 9.3. Je pense que c'est bon. Succulent. Goûte ton sandwich, quoi. T'as tombé dans les pommes. Bon. On va goûter ce fameux sandwich là. Meilleur que tous les sandwichs au McDo, apparemment. Au plus. Ouais. Enlève les cornichons. Pas grave. Ouais, non, vas-y. Ouais. C'est épicé, hein? On y va. C'est vrai, depuis je bois la boisson. Mmh. Le pain, genre, c'est un pain, genre, comme c'est quoi ce pain? Brioché, sucré, salé. Oui, c'est vrai, le pain est sucré, bro, et salé. C'est trop bon, genre. Yeah. Le mélange est parfait. Le pain, genre, est juicy. Les gars, en plus, les pieds, ça c'est vraiment épicé, c'est vraiment. C'est pas du fake épicé, bro, c'est vraiment épicé. Hum. Mmh. Non, c'est bon. On veut un autre encore? Laisse le manque de jeans, bro. C'est pas toi. Laisse le manque de jeans. J'ai dit quoi? Laisse le manque de jeans, bro. Laisse le manque de jeans. Laisse le mac and cheese. Il est coulant, hein? Ouais. Il est coulant. Laisse-le, on va voir. En plus, toi qui as dit qu'il était bon, hein? Aux États-Unis, il était bon. Okay. Laisse mes affaires, non. Mais c'est pas tes affaires, c'est nos affaires. C'est mes affaires. No. What? C'est mes wings. Fais-le-moi. Ben, planière. C'est une des trop bons, beau. Les gars, j'ai pris une pause pendant à peu près 2 minutes pour pouvoir changer la bactérie de la caméra. Et le goût est encore dans ma bouche. Genre, quand je voyais mon sandwich, j'étais comme, j'ai envie de te croquer, beau. C'est le pain, beau. Le pain est sucré, salé. J'ai envie de pleurer. Non, c'est bon. Bon action. Théo. C'est combien? 9 dollars. Juste pour ça? Ça coûte pas cher, hein? Pour tout ça, 41 d'ailleurs, c'est pas cher. 20 dollars chaque. C'est ça? Non, pas chaque. Moi, j'ai pris plus de trucs que toi. Mais ouais, 20 dollars chaque. Ouais. Si j'ai pas pris ça, les donneurs de poulet. On a oublié de prendre les biscuits aussi. Ça vient avec? Non. Alors, ça va pas? Ouais, mais c'est 1$. C'est un truc aussi qui fait du pop-up. Aussi, si j'avais pas trop aimé. Ok, je mange, t'attends. Peux-tu faire vite? J'ai 2 tenders, toi t'en as un. Pardon? Hein? Laisse-moi voir. J'ai 4 tenders. Quoi? Nous avons mis un de plus. Ouais, c'est vrai, c'est censé être 3. Mais en vrai, il y en a un qui est mince là. Donc, ils ont dit, oh fuck it. Mais tiens, le goût. Elle demeure sandwich. Le sandwich, moi je le mets sur 10, 9, 9, ouais, 9 sur 10. Dis-toi qu'aux États-Unis, il y en a qui mangent ça tous les jours. Hell no. Non, en c'est fait, sûr. En fait, on dirait ça aussi, je sais pas, mais j'ai le sentiment que c'est pas santé. Genre, on dirait que c'est santé. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, comme si c'est du poulet. Non. Pas, mais ce n'est pas santé ça. C'est comme il est gros, bon. Comme le pain est tellement bon. En plus, il est bien cuit. C'est ça. Il est parfait. Il est parfait. Comme il est juicy. Mm-hmm. Puis il est épicé. Moi, j'ai envie de pleurer. Bien épicé aussi. D'abord, on va plutôt passer aux tenders. Non, on fait ma kitchen d'abord. Okay. Parce que c'est chaud. Tu veux? Non, tu veux. Je vais te dire non de toute façon.
Le mange vite. Oh, ça me dépêche. Ce qui m'impressionne aussi, c'est la vitesse à laquelle ils préparent la bouffe ici. Ça a pris maximum 5 minutes pour que notre bouffe soit prête. Et regardez comment c'est dans la quantité. Qu'est-ce qu'on a pris? Même là, les Québécois là, qui étaient derrière nous, la dame elle a commandé. C'était 2 minutes plus tard, c'est déjà prêt. Ils sont rapides ici. Vous. Et au McDo, on peut passer 15 minutes dans la file. En même temps, McDo, c'est vraiment rempli. Mais on pourrait essayer un McDo ici, aller et voir si ça prend du temps ou pas. Genre, parce que on va manger quelque chose d'exotique. Mais fini. Non, mon frère, tu es fou. Hein. Tu es fou. On fait. De toute façon, mac and cheese. Prenez ce passe. Mac and cheese. De toute façon, mac and cheese. La famille. Quand tu enlèves le jus. Est-ce qu'il... Il n'est pas censé avoir de l'eau dans le mac and cheese? Je sais pas, bro. Bon, on va essayer de le mélanger. Ouais, mélange-le. Mange, donne, je vais manger d'abord. Ça coûte pas le même que le mac and cheese aux États-Unis. Tout en même temps? Le mac and cheese aux États-Unis, genre, il y avait une croûte. Trois. Attends. Deux. Attends. Trois. Deux. J'ai pas fini de m'enfonger celui-là. Non? Il est pas bon comme aux États-Unis. Pas du tout. Ça goûte les Kraft. Le mac and cheese Kraft. Kraft dinner. Fuck. Baccarat. J'aime pas. J'ai l'impression que ça sera bon. Sans ajouter de la viande dedans. La viande épicée qui était dans le sandwich là. Sans ajouter dedans, ce serait bon. Essaye. Oh, c'est vrai. Je vais prendre le petit morceau. Comme ça, là, c'est pas vraiment un morceau, non? C'est ça que j'ai dit. Quoi, ça piche? C'est pas vraiment un morceau, là. Il est bien dur. C'est pas vraiment un morceau. Le morceau, ils sont ici. Il est dur comme ça, ça fait peur. Attends, tu peux descendre. Je vais enlever celui-là, là. Lui, il est pas vraiment dur, donc. Qui là? Non, il me déçoit. Comparé aux États-Unis. Moi, je ne peux pas vraiment avoir d'avis similaire à Bijou parce que Bijou était aux États-Unis. Donc là, il sait qu'est-ce qu'il a goûté aux États-Unis comparé à ici. Son wings. Tu vas le finir? Toi aussi. Ah, tu manges pas ça? Tu manges pas au tenir? J'ai déjà bien mangé. C'est pas si ça pour rien. J'ai bien mangé. Ils prennent un par un, ils disent il a bien mangé. J'ai bien mangé au début. C'est moi qui ai pris le premier piece, j'ai pris un gros piece. Donc t'as pas mangé plus que moi là. T'as pas mangé plus mais que moi. Mais moi j'ai du vu. Toi t'aimes, t'as dit. Moi j'aime pas. C'est pas que j'aime. On a payé, on va manger. C'est toi qui voulais. Ok. C'est toi qui voulais. Et parce que ça ne ressemble pas à celui des États-Unis, il veut plus tout. Tu veux manger ça à l'hôtel? Non, non, non. On ramène pas ça à l'hôtel. Pourquoi? Il y a une micro-ondes là-bas, pourquoi? On ramène pas ça à l'hôtel, bisous. Tu manges pas ça, tu touches pas au tender aussi, je dis là. Prends ta fourchette et creuse dedans, je blague. Creuse dedans et mange. Je creuse dedans et je mange. Mmh. Go. Tout ça? Ouais. Malade. Ok, vas-y. On prend similaire. On prend des tailles similaires. Vas-y. Allez. Tu me copies. Je niaise même pas. Je te vois tout sur Tinder. Je te niaise même pas. Tu crois vraiment que je niaise, hein? Ah bon. Comme prends un bon morceau, je veux dire. T'as dit un morceau, ok, prends un morceau. Un bon morceau. Ok, non, fini, bon, tu peux finir, mais pas chez lui. Go, prends ça. Prends tout ça, les deux. Voilà, et ça aussi. Merci. Au niveau du mac and cheese, bon, moi je trouve. J'étais la sauce, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Nettoie ça. Bon, relax. Une saleté, bon. Comme une saigo. Salvo. Sac pété. Mets-le à l'intérieur. Salware. Silival. Essaye de mac and cheese. Essaye de mac and cheese.
Mac and cheese. Mac and cheese, j'ai dit, pas mac and cheese. Mac and cheese, il y a une différence. Est-ce mac and cheese. Fout. Ok, va me mettre un peu de vitre ouvert, s'il te plaît. Non, on commence. Je dis, tu as bien mangé, non. Juste va me mettre un peu. C'est juste là. Je me sers ma boisson, Jésus fait topia. On va bien boire et manger. On met la sauce et puis c'est dans la sauce barbecue ou non? Je ne sais pas comment ça fonctionne ici. On va mettre de côté. Bon. Laisse, tout toucher. Attends. Non, mais juste tasse-les. Non, relax. Quoi, relax? Non, tu touches à rien. Je veux que tu touches à rien. Ça va? T'es un peu à l'aise. Regardez. On va manger ça tout de suite. Sauce épicée, c'est ça? Ça là-bas, dans les déchets. Et là, attends, t'es un peu à l'aise, attends. Prends ça. Prends ça, vas-y. On peut couper en deux si tu veux. Bah, ok, mange-le, je vais couper ici. Il est comme ça. Il est comment? Quoi? Ça sent le poulet. Mange, non? Ok, ça coûte des tenders basiques. C'est comme... mid. C'est pas, y a rien de spécial. Aux États-Unis aussi, c'était plus ancien. Sûrement, ils l'ont fait depuis le matin. C'est quoi ta note? Ma note de quoi paye, bro? Pourquoi la caméra tourne comme ça, bro? Parce que la table bouge. Arrête. Bon. On paye, bro, pour une première fois. Les frites. Elles sont bonnes, bro. Les frites sont bonnes. Elles sont bien croustillantes et tout. Moi, j'ai un 9.3. Je sais pas, bro. Juste, elles sont bonnes. Frites bonnes. Non, mais tu donnes combien en tout? En tout, à pas payer, bro, 8 sur 10. Pour moi, un bon 8.5, bro. Ah bah ouais, c'est bon. J'aime bien les frites, bro. Là, c'est seulement des frites, j'aime bien ça. Mon préféré, c'est le sandwich. Le sandwich, bro. J'ai bien envie d'en prendre un autre, mais... J'ai un peu rempli, nos cas. Moi aussi, bro. Parce que mon pote a rapetissé. Parce que normalement, je serais capable de manger deux sandwichs. Et en plus, là, si tu prends la boisson pour passer, c'est encore plus rempli. Eh non, je vais jeter la boisson. Prends-en pour la route, on va marcher. Non, j'ai pas envie de marcher avec. Après, je veux pas savoir où c'est. On va partager ça. Non, si tu prends ma boisson, c'est à moi, bon, pas à toi. Oh. Bref, on va, là on va sortir les gars. Mais sinon, ouais, j'aime bien. Il joue, c'était sa deuxième fois à Popeye. Mais la première fois qu'il était allé là, il n'a pas mangé autant. Et moi, c'est ma première fois, complètement ma première fois. Et puis, ouais, c'est bien, c'est bon. Laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, abonnez-vous.